C'est le Wingmaster débrief du dimanche soir que vous attendez avec impatience. Le Wingmaster débrief et le Jérôme Cano. Vous l'attendez et le voilà, il apparaît. <laughs> salut Jérôme. Salut Seb, salut Seb, salut à tous. Bienvenue. Bon, on... Merci, bienvenue à tous. On est heureux de vous retrouver. Vous connaissez cette chaîne gratuite Wingmaster. Sur YouTube, on vous offre des thématiques chaque semaine, vous le savez. Mais Wingmaster, c'est aussi le Wingmaster Masterclass. Allez voir sur le site wingmaster.top, vous allez toutes les... avoir toutes les infos. Euh, wingmaster, c'est la première masterclass parapente, 100% vidéo. On vous a concocté avec Jérôme 24 épisodes, 14 heures de vidéo. Jérôme vous montre toutes les techniques de... du parapente. Euh, je l'ai équipé jusqu'à 8 caméras en vol, notamment il y a un épisode sur le cross qui est fabuleux, il euh, y a un épisode euh, d'une heure sur euh, les atterro, les approches, euh, pareil sur le gonflage au sol, plein d'épisodes comme ça, il y en a des plus courts, il y en a des plus longs, et Jérôme tu montres toutes les techniques du parapente, comment toi tu as euh, appris le parapente et comment tu le retransmets aujourd'hui, hein, c'est ça, c'est pas des cours de parapente, et tu oui. montres vraiment comment tu veux. Voilà, en fait, on a séquencé euh, tous les thèmes en fait de, de du parapente, entre le pliage jusqu'au cross, le gonflage, les descentes rapides. Donc, on a pris tous les thèmes et on a tout filmé en fait en vol. Comment comment ça marche ou au sol, etc. Donc, c'est que du visuel et ça vous c'est un très bon complément euh, à votre formation. Et même si vous volez déjà, donc c'est le, on, on elle est unique d'ailleurs cette master class. C'est une belle mise à euh, jour aussi est con, si vous voulez volez elle plus longtemps. Euh, voilà. Ouais. Et elle est, elle est complète, donc c'est un très bon complément euh, indispensable, nécessaire à votre pratique de loisirs. Exactement et pour aller jusqu'au cross, hein. on, on oui, aide à, à la fait. progression du pilote jusqu'au cross, on se dit les pilotes qui commencent à faire du cross et qui sont très bons ils n'ont plus besoin de tous ces conseils mais ça permet pour des pilotes même qui pilotent depuis longtemps de revoir des techniques, de revoir des choses et il y a tout pas mal fait. de pilotes qui ont de l'expérience, qui ont investi dans la masterclass et qui nous ont dit qu'ils avaient appris des choses donc ça c'est chouette. Et en plus, on peut dire, pour faire un, un lien parallèle avec la FFVL, dans la progression, c'est que ça va du, du, du premier niveau, du niveau blanc où on découvre le matériel, jusqu'au niveau marron, en fait, du, du niveau Donc, du brevet de pilote confirmé. Voilà, exactement. ça exactement. Allez, vous avez toutes les infos sur le site wingmaster.top, des modules, si vous ne voulez pas acheter la Master Masterclass complète, vous pouvez investir petit à petit et puis vous faire rembourser une fois que vous achetez le, 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 le pack complet. Toutes les infos sur wingmaster.top. Jérôme, on a une thématique ce soir qu'il faut traiter. On est dans un contenu non pas en live mais enregistré, hein, les amis. Euh, le live bah, ça sera pour une prochaine fois, mais en tout cas vous allez voir, hyper intéressant quand même. Vent de cul au déco, je fais quoi Jérôme euh, Sans rire, on a du vent de cul au déco, on va pas décoller. Euh, on replie la voile et puis on rentre à la maison. Et eh ben, pas forcément, va tu vas me dire. Tu sais qu'on aime, voilà, on aime bien <laughs> nuancer, hein. On aime bien nuancer, de pas avoir des, 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 injonctions, on va dire, trop catégoriques. Et donc, on va nuancer un peu parce que ça, bien sûr, ça dépend de pas mal de facteurs. Donc, déjà, euh, à qui on s'adresse là au niveau des pilotes, peut-être parler de ça, c'est-à-dire que quand on démarre le parapente, quand on n'a pas énormément d'expérience, il y a un des facteurs qu'on va essayer de, de, de qu'on va essayer d'éviter en fait c'est le vent nul ou voire vent arrière vent nul ça passe encore vent arrière un léger vent. là on parle de vent de cul c'est un léger vent arrière peut-être de 5 km heure, quelque chose comme ça au-delà au de 10 km/h ça devient carrément technique sauf en biplace ou en solo à ski en fait si on a beaucoup de pentes à ski on peut décoller avec du vent plus marqué si on arrive à skier longtemps quoi. Du eh vent oui arrière. bien sûr mais, mais tu triches c'est une ouais, petite ouais. aparté. Ouais, là, vrai, là, là, là oui c'est vrai, c'est parce que ça va pique. vite là, tu là, prends de la vitesse. Tu prends de la vitesse et très on rapidement. Peut, on, si on a une très longue pente, et eh ben on peut skier longtemps et prendre de la vitesse longtemps, ça, ça finit par voler. Si okay. c'est du vent, quand on dit, euh, alors aussi quel type de vent, on parle bien, on va parler d'un vent qui est plutôt catabatique, c'est-à-dire une brise descendante en fait. Okay. C'est pas du vent météo fort, etc. Parce que là c'est dangereux, on va avoir de la turbulence et tout, alors qu'un vent, un léger vent catabatique, une, une brise descendante, une petite dégueulante, c'est pas turbulent du tout, hein, c'est collé au sol, mais comme on prépare la voile au sol et qu'il va falloir décoller en courant, ben on est confronté à ce vent arrière en fait. Et pour faire un peu de technique, Jérôme, j'allais dire euh, de la méca de vol, euh, on rappelle le parapente va décoller à 15-20 km/h. Donc si on a 5 ouais. km/h de vent arrière, ça veut dire qu'il va falloir courir 5 km/h de plus. Donc euh, de plus. comme, tu, comme voilà. on imagine bien qu'en ski c'est possible, mais à pied, euh, ça commence à être compliqué. Ça Donc, peut être euh, plus compliqué. C'est là que tu vas nous donner des, 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 des astuces. Comment faire alors déjà, c'est toujours... vous vous rappelez à chaque fois qu'on qu parle d'un thème déco, atterrissage, tout ça, on a deux thèmes euh, principaux, c'est la topographie du terrain, c'est-à-dire pour le décollage, ça va être la pente, ça va être la texture du terrain, la largeur, etc., la longueur. Et voilà, ça c'est un premier premier facteur topographique. Le deuxième, l'aérologie. Donc là, on a mis un peu le facteur aérologique, c'est pas de vent ou léger vent arrière. Voilà. Donc pour pouvoir décoller. La voile, elle va monter pareil, mais il va, il va, lui falloir beaucoup plus de temps pour arriver au-dessus de votre tête, puisqu'il faut rattraper un peu ce léger vent arrière. Donc, il va falloir, une fois que la voile est au-dessus, avoir suffisamment de place de, en longueur et suffisamment de pente pour pouvoir prendre de la vitesse, accélérer, accélérer jusqu'à atteindre euh, confortablement la vitesse d'envol, en fait, pour pas se jeter dans le trou vent arrière, quoi. Donc la topographie du terrain est importante. Il y a des décollages qui ne le permettraient pas. Des décollages trop courts ou avec des arbres devant nous, etc. Donc sans vent ou léger vent arrière, c'est des décollages qui deviennent tellement techniques, voire même un peu aléatoires. C'est des décollages qui ne sont utilisés qu'avec du vent de face parce que c'est plus facile. Voilà, donc ça, le premier truc, la topographie du terrain. Ensuite, on peut parler de l'expérience euh, du pilote, c'est-à-dire sure, quel volume il a en gonflage, est-ce que sa technique de gonflage. Donc là, on va plutôt partir euh, d'eau à la voile, en tenant les élévateurs avant, et on. Le, le, C'est sûr que le, le, une expérience assez riche en, en gonflage d'eau voile, etc., et en connaissance de sa voile va plutôt faciliter ou va permettre d'envisager ce type de décollage. Si on a 10 vols et qu'on connaît pas bien la voile et que notre technique est pas encore bien maîtrisée, le, rajouter un, un facteur vent arrière, ça va être un petit peu chaud, quoi. Hein. Voilà. Quand est-ce qu'on peut avoir du léger vent arrière? Ben, ça peut être sur un site. Vous arrivez sur un site et puis c'est en brise descendante. Par exemple, en fin d'après-midi ou le soir, sur un décollage est, il fait super beau, mais vous n'êtes pas du bon côté de la vallée, on va dire, où le seul site c'est orienté est et puis vous dites, ben, je vais quand même monter, c'est 17, 18 heures. Le risque, c'est que ce soit voir arrière au décollage. Si c'est pas très fort. Avec les différents facteurs, vous pouvez peut-être envisager le décollage. Ça peut être aussi en marché-vol, en montagne, vous faites une belle balade, etc. Puis vous arrivez en haut, ben, le, le vent n'est pas tout à fait comme annoncé. Le vent est léger arrière, mal orienté, ou vous avez attendu que ça faiblisse et puis petit à petit un créneau vent nul est en train de, de peut-être se mettre en place, mais c'est pas vraiment vent nul où il n'y a pas de vent de face. Voilà les, les, les contextes dans lesquels on peut se retrouver euh, avec ce décollage là. Donc si on l'envisage de toute façon en tant que pilote, si on envisage ce décollage, il faut que la topographie soit bonne, que votre exp que, que votre expérience soit suffisante, que vous soyez conscient de ce qu'il fait et des risques liés à, au décollage euh, léger vent arrière, c'est qu'il va falloir courir très longtemps et que votre, euh, votre prise de décision sur le décollage doit être prise à un moment donné et que vous y teniez, parce qu'une fois que vous avez emmagasiné de la vitesse, avec la voile qui est au-dessus, ça, ça, ça devient compliqué de s'arrêter en fait. Donc il mmh. faut avoir une, une bonne prise de décision efficace, la voile est bien au-dessus. Et après, c'est aussi compliqué de la regarder, sa voile, légèrement avant-arrière quand vous partez d'au voile, puisqu'il y a une grosse partie de votre attention qui va être mise sur la course et non pas sur le visuel. Donc, vous avez intérêt à bien démêler votre voile, en fait, pour enlever cette partie-là. Il y a une difficulté supplémentaire. J'allais dire que quand on a du du, euh, du vent arrière, des fois, c'est difficile de la gonfler. Elle a elle a du mal à gonfler. Euh, elle a elle elle peut ne pas être très bien structurée, etc. Il va donc falloir vraiment donner une bonne impulsion, non, Jérôme alors c'est une bonne impulsion et surtout entretenir le mouvement de départ en fait. Si on donne juste une impulsion et qu'on s'arrête, ça va pas monter. Donc il faut vraiment entretenir ça avec euh, une accélération, etc. Sans non plus trop tirer sur les avants. Parce que si on tire trop sur les avants, c'est souvent ce qui peut se passer. Le pilote dit oh « Oulala, je suis hier, il va falloir que je parte très fort et tout. » Avec une grosse sollicitation sur les avants, ça peut déformer tellement la voile qu'elle va encore moins bien monter en fait. Donc il faut pas tirer plus sur les avants, il faut vraiment l'état d'esprit que ça va mettre plus longtemps à monter et non pas que ça va monter mal voilà vous voyez il faut bien faire la différence entre les deux en fait ça va mettre plus de temps je remontre, Donc, il faut de la place euh, oui il faut de la place et autre autre chose j'allais dire euh, puisqu'on parle de, de, de matériel euh, enfin en tout cas de, de, de voile sur des voiles monosurface c'est plus facile que sur des voiles lourdes parce qu'elles sont beaucoup plus légères aussi parce que c'est lié à la à après, cette légèreté euh, alors, on parlera de la technique après, mais en fonction... maintenant, si on parle du matériel, c'est sûr qu'une voile légère, une voile monosurface, alors là, ça va gonfler super bien, même légè légèrement, voire arrière, donc ça, ça, ça va être un atout, une monosurface. Une voile qui fait 5 kg au sol ou quatre kg, et euh, demi, suspendée un petit peu longue, une voile de loisir, par exemple, ça, ça va être plus compliqué techniquement parce que le, le volume à soulever, à monter est beaucoup plus gros, le suspentage est un peu plus long, donc on rajoute des petits facteurs qui rendent le truc un peu plus technique en fait, la connaissance de la voile, etc. Euh, je pense à une, il y a une, après on peut Nuancer un petit peu les techniques. Là, on a parlé de matériel, c'est sûr que ouais. vous imaginez, euh, par exemple, décoller en biplace ou avec une voile qui est trop grande, un peu, vous êtes en bas de fourchette, tout ça va, va rendre les choses un peu plus difficiles. Ensuite, maintenant, au niveau de la technique, donc oui, il faut donner une bonne impulsion, mais surtout entretenir derrière sans votre avancée, votre accélération, sans tirer plus sur les avances. C'est ça qui est difficile. Donc, une première technique sur des voiles montagne ou même des voiles de loisirs, c'est au lieu de prendre les élévateurs A, vous pouvez prendre les élévateurs A et B aussi, les deux premiers. Donc ça, ça va vous permettre, c'est pas que ça gonfle mieux, mais ça va vous permettre d'être un peu plus entre guillemets bourrin en fait, parce que si vous tenez les A et les B dans les mains, même si vous tirez trop fort, ça ne va pas trop déformer la voile et vous allez pouvoir mettre beaucoup d'énergie à la voile, un peu plus. Si vous tirez que sur les élévateurs avant, il ne faut pas tirer trop en fait. Et si vous tirez trop parce que vous trouvez que vous êtes devant arrière et que ça ne monte pas, ça va déformer toute la voile. Donc, une technique sur les voiles plutôt montagne légère, c'est de prendre les élévateurs A et B, ça marche bien. A et B dans chaque main donc ça c'est une première technique une autre technique si on prend que les élévateurs avant c'est d'aller mettre les mains au lieu de tenir les élévateurs c'est d'aller mettre les mains un peu plus haut que les élévateurs, que les sangles, c'est mettre les mains dans les suspentes on sent beaucoup mieux qui, ce qui se passe, on sollicite avec les mains plus hautes, vraiment le bord d'attaque. Par contre là, il faut être assez fin, il faut pas trop tirer dessus parce que ça va être beaucoup plus sensible sur la voile. Donc le risque, c'est qu'on qu gonfle avec la voile un peu fermée. Ça, c'est une technique. Bien sûr, il faut s'entraîner un petit peu avant pour 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 s'approprier et emmagasiner un peu, ou se rendre compte de ce qu'on ressent dans les mains en fait, quand on tient que les suspentes. Ça, ça peut être une technique. On peut aussi partir suivant les voiles en les claquant un petit peu. C'est-à-dire au lieu de partir suspente tendue, on, on, on se centre par rapport à la voile, mais on remonte un petit peu. Euh, pour euh, partir avec un mètre, un mètre cinquante, on va dire d'élan, ça peut aider aussi au, au niveau de la voile. Après, il y a des fois quand vous avez de l'assistance, mais alors là, je suis très partagé avec ça. Euh, partagé, c'est-à-dire je, je n'ai pas la, la solution, j'en suis pas sûr. C'est que des fois, y, des gens vous tiennent la voile un petit peu levée en fait. Le premier truc, le deuxième truc, et on, on, on secoue la voile pour la remplir d'air en fait. C'est des trucs qui, qui se font toujours en fait, mais je suis pas sûr que ça marche mieux en fait qu'une voile haute sol pas rempli d'air. Et mon, mon argumentation tient sur le fait qu'une monosurface n'a pas du ne se remplit pas d'air et elle gonfle très bien parce qu'il n'y a pas le poids de tout l'air. Donc si on remplit la voile d'air, peut-être que ça lui met du poids et qu'on a plus, peut, peut être besoin de, du profil plus que du poids, en fait. Voilà. Donc ça, ben, vous essaierez, vous me direz si ça marche mieux, si on vous tient la voile un petit peu levée ou pas. Autre chose, j'ai une petite question. Oui, j'allais euh, dire sur un truc qui me revient sur la topographie du terrain, c'est sûr que la, la voile gonflera plus facilement sur un terrain un peu plus raide. Parce que l'ensemble, parce que votre corps est beaucoup plus bas que la voile, en fait. Donc la course de la voile va être plus courte. Donc ça peut aider sur des terrains un peu plus raides, mais il ne faut pas que ce soit trop raide non plus parce que, rappelez-vous, vous êtes légèrement vent arrière donc vous allez emmagasiner de la vitesse dans de la pente. Donc il faut que tout soit bien, parce que si vous emmagasinez beaucoup, va, ça va être compliqué de vous arrêter. Comparé à un terrain un peu plat, où la voile va mettre beaucoup plus longtemps à gonfler, beaucoup plus de distance, par contre, vous, vous allez pouvoir vous arrêter plus facilement. Merci euh, Jérôme. Euh, hyper intéressant tout ça. J'allais dire, y a, y a, y... attention quand même, quand tu parles de vent euh, catabatique, c'est du vent arrière, bien sûr qu'il faut pas que ça soit trop fort. Est-ce qu'on peut euh, prendre une décision Et je me souviens que ça m'est déjà arrivé, j'aime bien euh, prendre euh, toujours des exemples perso euh, de décoller le léger vent arrière et en fait de se rendre compte que c'est une immense dégueulante et de faire du radada tout le long de la pente pour euh, euh, être euh, très. très... C'est un peu chaud, quoi, tu vois euh, Des fois, le, le, oui, mais le vent ça, arrière. Attention peu. à l'aérologie, ce qu'il y a derrière aussi, ce que ça signifie. Non, mais il n'y aura pas de turbulence en général. C'est pour ça que derrière votre décollage, si vous avez plutôt du dénivelé, de la pente, des falaises, etc., ben, la finesse de votre parapente, même si vous êtes légèrement en arrière, va vraiment vous, vous, vous éloigner de ce de ce de ce flux, de cette petite rivière d'eau froide qui est, d'air froid qui est vraiment collé à la pente. Donc, vous allez vous en échapper sans problématique. Si, par exemple, il faut pas imaginer qu'on est sur une énorme dégueulante qui va vous emmener jusqu'en bas. Ça, c'est que ça serait plutôt du vent météo, quoi. Ou des brises, euh, ou des brises catabatiques très, très fortes. Mais là, on parle pas de ça. Donc, vous, une fois que la voile est au-dessus que vous courez, vous allez vous échapper de ce, de cette Terre un peu froid qui descend très facilement, il ne faut pas vous inquiéter. C'est sûr que si vous décollez sur une pente très très faible, très très longue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de dénivelé ou de pente globalement, euh, oui, vous, allez, vous risquez de courir longtemps et que ça ne décolle pas, quoi. Ça, c'est possible. Mmh. Mais là, il faut quand même de la pente et ensuite beaucoup de pente, en fait. Hein, c'est Sur des Jéro. sites classiques, en fait. On arrive vers la fin. Autre technique aussi, je, je te l'ai vu faire. Euh, quand il y a du vent arrière, plutôt que de décoller face à la pente, euh, et s'il si y a un petit peu de plat, c'est de décoller carrément de l'autre côté, de faire un demi-tour et de partir dans la pente après. Ça, c'est aussi possible. Alors, ce n'est pas de décoller, c'est de gonfler. Gonfler, pardon, pardon gonfler, gonfler. Gonfler, dans gonfler oui. et décoller. Donc oui, le terrain le permet... On va faire on, on, Rappelez-vous hein, les, les termes qu'on utilise. Si le vent est fort, choisis le vent. Si le vent est faible, choisis la pente. Donc là, on est dans une, configura une configuration où il y a par exemple 5-10 km heure de vent descendant. Donc si le terrain s'y prête, donc il faut un terrain plutôt plat. On va gonfler en tenant compte du vent. Donc ça va être plutôt en remontant la pente ou un espèce de biais. Et donc la voile va plutôt bien gonfler. Et si le terrain le permet, on va continuer euh, avec la voile au-dessus de la tête en remontant la pente légèrement, puis petit à petit, faire une espèce de grande boucle en courant pour vous retrouver vent arrière, mais déjà avec la voile au-dessus. en fait. Donc vous profitez du vent pour gonfler la voile, et ensuite vous allez faire le point technique, c'est de faire ce, ce grand virage. Il faut de la place parce qu'on ne peut pas le faire serré, faire un grand virage. Pour ensuite se retrouver avec la voile au-dessus et avoir toute la, la place pour courir avec la voile qui est au-dessus, quoi. Voilà. Donc ça, oui, ça, alors là il faut prendre ça vraiment un petit peu comme un jeu, comme de oui. l'expérience. Il faut pas que le terrain soit raide parce que c'est impossible, c'est super compliqué. Voilà, il faut jouer un petit peu et vous pouvez vous entraîner sur du plat en faisant ça cest dire sur... gonfler votre voile face au vent, avec un faible vent, et la voile est au-dessus et vous faites un grand demi-tour sur le terrain en bas. Ça peut vous donner une idée, en fait. Vous pouvez vous entraîner comme ça. Et pareil que tout à l'heure, en monosurface, ça marche beaucoup euh, mieux. D'ailleurs, ah ben, tu le montres, tu le marche, montres euh, dans l'épisode Wingmaster sur, eh oui. le, sur les monosurfaces. On oui. peut faire, euh, si le vent est faible, ou on peut faire un tour complet avec la voile au-dessus avec une monosurface. Donc le matériel joue aussi. Et je pense aussi au matériel à la sellette. C'est sûr, si vous avez une, une sellette qui est lourde, si vous avez une sellette qui fait 4 kg plus le secours, donc vous avez sur le dos 5 kg euh, à trimballer, ça sera plus technique aussi que si vous avez une sellette montagne très légère où vous pouvez bouger plus facilement dessous, en fait. Donc, voilà, suivant votre matériel, votre expérience, la pente, le vent, etc., ça fait plein de facteurs dont il faut tenir compte. Merci Jérôme, hyper intéressant. Euh, un petit mot pour conclure, il y a quand même, euh, j'allais dire, comme tu le disais au euh, en préambule, euh, attention, c'est réservé des pilotes qui sont quand même un petit peu expérimentés, qui ont une bonne analyse euh, de l'aérologie euh, oui. et euh, qui maîtrisent parfaitement les gestes. Hein, c'est euh, pas rien de se lancer comme ça en courant dans la pente euh, quand le vent est pas favorable. Exactement, c'est-à-dire, il faut quand même être conscient de ce qu'on fait et on va, on peut, dans, dans notre pratique, on peut rajouter des difficultés techniques, on va dire, si, comme tu le dis, on a maîtrisé, on maîtrise les, on va dire, les techniques de base dans des conditions standards, on a eu une observation, une analyse de l'aérologie pour ne pas aller dans n'importe quelle aérologie, etc., et connaître un peu son matériel. Donc, c'est sûr que, avec cette base-là, petit à petit, on peut, Augmenter, on peut mettre plusieurs outils dans sa boîte à outils, plusieurs techniques et tout, donc expérimenter euh, différentes méthodes en fait. Voilà, c'est ça pourquoi je vous dis ça, c'est pour euh, peut-être euh, vous dire aussi que c'est possible en nuançant un peu les choses, etc. Que en tenant compte de tous ces facteurs, il y a des choses qui peuvent être possibles. Mmh. À comparer, à se dire non, non, moi, s'il n'y a pas euh, 10 de face, je décolle pas, par exemple, c'est un truc qui est, qui, est, qui est bien aussi, que je critique pas, mais qui est euh, qui est radical. On peut nuancer un petit peu tout ça parce qu'il peut y avoir des moments où vous vous retrouvez dans du vent nul ou léger arrière sur des décollages qui permettraient de décoller en sécurité. Mais si vous vous êtes dit non, moi, je décolle pas dans ces configurations-là, peut-être que vous. vous vous perdez ou vous évitez un truc qui pourrait être pas mal en fait. Voilà. C'est vrai qu'on a tendance maintenant, comme on gonfle beaucoup face voile, euh, j'allais dire on a tendance à voir des pilotes qui, avec 0 km/h de vent, euh, ont peur d'y aller parce que déjà ils n'ont plus l'habitude de faire du dos voile Tout et à fait, se ouais. dire ah, il me faut qu'il y ait un petit peu d'air pour que ma voile euh, se gonfle, mais euh, c'est une croyance. Euh, exactement, et surtout, c'est sûr qu'avec du vent de face, c'est beaucoup plus confortable, et c'est vrai sûr. que le, le face-voile se démocratise, et c'est pour ça, n'oubliez pas de continuer à faire du dos-voile quand le vent est faible, parce que c'est bien d'avoir différentes techniques. Parce qu'il y a des moments, moi personnellement, je fais beaucoup de dos-voile, même avec 5-10 km/h de vent, en biplace notamment, etc. Moi, le, le dos-voile fait vraiment partie de, de ma pratique, ou avec des, des voiles montagne, avec des petites voiles, des petites surfaces face et tout je gonfle souvent d'eau voile en fait et on est plus confort j'allais dire on se sent mieux c'est on peut être pris en charge plus rapidement sur la pente des, des, déjà voilà on s'engage dans la pente dans le bon sens on n'a pas géré le retournement si vous préparez bien votre voile il n'y a pas de problème de visuel sur est-ce que la voile il euh, n'y a pas de clé des trucs comme ça si vous la préparez bien vous pouvez euh, vous enlever ce truc là à faire Allez, il n'y a plus qu'à vous entraîner pour euh, décoller avec euh, 0 km/h devant, voire moins euh, 2, 3, 4, 5 km/h en voilà. fonction du Essayez sur, sur un terrain, sur une pente-école, euh, pas sur un décollage par exemple, vous pouvez vous entraîner et aussi en approche mentale, vous pouvez visualiser en fait tout ça. Visualiser le fait que ça va durer longtemps, que vous allez courir vite et tout et que ça va décoller, etc. Ou, ou et visualiser en imaginant quelqu'un qui décolle vent arrière. Donc on peut faire plein de... De visualisation comme ça pour ancrer pour le truc. Je trouve ça hyper euh, chouette en montagne en plus de de, de, oui. de courir dans la pente comme ça et de se sentir pris bien. en charge Exactement. petit à petit et euh, d'un seul coup décoller alors que le, le, ouais. le truc justement il n'y a pas 5 ou 10 km heure de face où c'est facile. Il y a, y a un plaisir à, à faire ça, quoi je trouve. Ouais, c'est le vrai décollage ouais. de l'homme oiseau <laughs> comme ça se faisait en 1985 voilà. allez merci ça. Jérôme pour toutes les infos euh, si vous avez des questions vous les posez dans les commentaires et Jérôme y répond bien évidemment et puis on se retrouve très vite en live ou pour un contenu enregistré merci Jérôme pour toutes ces infos précieuses à très vite salut bonne soirée. à bientôt Ciao.